Le roi Paul de Grèce et la reine Frédéric, hôte de la Turquie, sont accueillis à la gare d'Ankara par le président de la République turque. Au cours de leur séjour, les souverains d'Hellène devaient être l'objet de chaleureuses manifestations de sympathie tant à Ankara qu'à Istanbul. L'amitié gréco-turque suscitée par des intérêts communs constitue une pièce maîtresse dans le plan de défense de l'Occident. Istanbul, pavoisée aux couleurs de la Grèce et de la Turquie, accueille les souverains hellènes. Le roi Paul Ier et la reine Frédéric sont les premiers monarques grecs à se rendre en visite officielle sur l'ancienne terre ottomane depuis 1919, date à laquelle la Grèce dut abandonner sa domination sur Smyrne. Cette visite souligne le réalisme de la politique des deux pays et la compréhension qui les unit aujourd'hui dans leur ligne de conduite commune, au moment où l'organisation européenne se précise, notamment dans le bassin méditerranéen.